Émile a fêté ses 3 ans, loin de ses parents et perdu depuis le mois de juillet 2023. Si je refusais au départ de monter cette vidéo, c'est par empathie pour la famille. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est important de relayer le message. Depuis le 8 juillet, nous vivons entre l'espoir et l'abattement. Après l'avoir cherché en vain pendant des semaines, compte tenu de la configuration des lieux, nous avons acquis la certitude que notre petit Émile a été victime d'un enlèvement ou d'un accident. Ce 24 novembre, c'est son anniversaire et nous ne pouvons pas le fêter. L'incertitude ajoute à notre angoisse. Où est notre petit garçon? Que lui est-il arrivé? Nous voulons nous adresser aujourd'hui à celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. S'il s'agit d'un accident, peut-être avez-vous paniqué. Si vous avez commis l'irréparable, peut-être le regrettez-vous. Peut-être craignez-vous les conséquences et ne savez comment vous en sortir. Tout cela, nous pouvons le comprendre, mais nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites-nous où est Émile. Par pitié, s'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez-le nous. Par pitié, s'il est mort, dites-nous où il se trouve. Rendez-le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur. Nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Émile. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'une façon un peu différente les parents d'Émile, Marie et Colomban, ce couple jeune, victime d'une tragédie. On les a longtemps mis en exergue dans les médias et traités comme des suspects, bien qu'il a été établi que ceci n'était pas du tout sur les lieux du fait. Marie est jeune, et selon mes informations, elle a étudié afin de devenir kinésithérapeute, et Colomban, lui, est ingénieur. Ces deux jeunes gens sont plutôt des gens qui réussissent et qui souhaitent, malgré leur jeune âge, construire une famille stable avec un foyer aimant dans la ville de La Bouilladis, où ils sont en train de rénover une petite maison dans laquelle ils s'apprêtent à accueillir un deuxième enfant. Certes, par le passé, Colomban a eu quelques déboires avec la justice concernant son appartenance à un groupe d'extrême droite. Marie soutenait ses idées politiques. Néanmoins, rien d'autre n'est à connaître à leur sujet, et ceux-ci semblent toujours s'être bien occupés du petit garçon. Leur foi a beaucoup intrigué les médias et l'opinion publique. En effet, un message qui avait été diffusé de la part de Marie au tout début des recherches avait été peut-être maladroit, car celui-ci faisait appel à une sainte qui se perdait en montagne et y rencontrait le mal. Cependant, cette sainte est aussi celle d'une cause désespérée, et c'est bien ce dont cette famille est victime.
Ils pratiquent en effet la foi catholique et vivent d'une manière plutôt traditionnelle. La mère fait l'école à la maison dans une pièce dédiée dans leur domicile. Et ils sont effectivement élevés au grand air. Ils possèdent une maison de campagne dans la commune du Haut-Vernay et s'y rendent en famille depuis de nombreuses années. Marie est l'aînée de 10 frères et sœurs, et chacun des enfants sait jouer d'un instrument de musique. On sait qu'ils participent également à la chorale de l'église et que chacun des enfants est visiblement plutôt élevé de manière rigoureuse. Rien d'autre n'est à dire, et pourtant, ils ont fait les gros titres des journaux et attiré toutes les curiosités du public. Effectivement, il est rare en France de trouver des foyers dans lesquels ces valeurs sont encore actuelles. Alors qu'il y a quelques décennies, beaucoup de monde vivait ainsi. L'insouciance, dans les villages de campagne notamment, était courante. Et c'est pour cela que le grand-père d'Émile est venu le récupérer à la Bouilladis pour l'emmener profiter de moments de tranquillité et de joie à la campagne en famille pendant cette période estivale. Tout s'est bien passé sur le trajet. Et le petit garçon semble avoir été ravi à l'idée de rejoindre la maison de campagne de ses grands-parents. D'autant plus que ses oncles et tantes y étaient et que ceux-ci sont excessivement jeunes. Le Haut-Vernay offre une vraie liberté et des paysages splendides. C'est une campagne verdoyante et évidemment, Marie et Colomban qui adorent leur enfant, étaient rassurés à l'idée de le laisser aller chez les grands-parents, profiter de cet air libre et puis aussi de quelques jours de collectivité avec d'autres enfants. Ceci arrive dans des centaines de foyers français. Les petits villages de campagne, où on se connaît tous, dans lesquels il y a si peu d'habitants qu'au moindre bruit, chacun est penché à sa fenêtre afin de regarder ce qui se passe, existe bel et bien. Le Vernay est surplombé du village du Haut-Vernay, comme vous le voyez sur cette carte, et c'est là que les grands-parents d'Émile ont leur maison. Le paysage est escarpé, il y a quelques résidences secondaires, mais très peu d'habitants. Ils vivent à l'année. C'est pour cela qu'ils se connaissent tous et que si un véhicule ou quelque chose d'inhabituel se produit dans le village, ils sont vite informés. Émile arriva chez ses grands-parents et put profiter de la présence de ses oncles et tantes pour jouer avec eux tranquillement. Le matin de sa disparition, il n'y a eu aucun fait notable selon les grands-parents. En tout cas, rien qui ne soit reporté dans la presse. L'ambiance était bonne et les enfants avaient décidé de jouer dehors. Ils avaient entrepris, non loin de la maison, de construire une cabane. Là aussi, c'est un jeu que beaucoup d'enfants peuvent faire dans le jardin ou à proximité de la maison de leurs parents, d'autant plus dans ces zones de campagne où on n'a pas l'impression que s'éloigner de 50 mètres puisse être un réel danger. Émile était donc surveillé uniquement par ses oncles et tantes qui, comme vous l'aurez compris, sont jeunes. Il jouait bien avec eux et était ravi de pouvoir construire ce petit monde imaginaire quand, malheureusement, il a été appelé à rentrer au domicile familial afin de déjeuner. On sait qu'Émile aurait fait un énorme caprice et voulait absolument rester jouer avec ses oncles et tantes dans la cabane. Ils rentrèrent et les adultes passèrent à table. Là encore, aucun problème notable, si ce n'est que le petit garçon avait refusé de s'endormir immédiatement.
À son réveil, têtu et obstiné, comme décrit par l'un de ses oncles, Émile n'avait pas démordu de son envie de se rendre de nouveau dans la cabane pour jouer. Sa grand-mère, qui était venue s'occuper de lui à son réveil, le prépara et lui expliqua que cela ne serait pas possible parce qu'il devait partir avec son grand-père afin de réparer un enclos à cheval. Émile n'était pas très content et souhaitait vraiment se rendre dans sa cabane. Cet enfant avait de la suite dans les idées et, voyant que sa grand-mère n'allait pas céder, il se dit qu'il essayerait probablement d'avoir son grand-père à l'usure. Si les oncles et tantes d'Émile l'ont décrit comme têtu, c'est parce qu'ils ont pu se rendre compte qu'avant et après sa sieste, l'enfant n'avait pas oublié, bien au contraire, ce qu'il avait en tête. Eux, semble-t-il, avaient été élevés d'une manière plus rigide et n'avaient pas le droit aux caprices. Le grand-père fut aussi clair que la grand-mère à ce sujet et refusa à Émile l'idée de pouvoir se rendre à la cabane. Il lui dit qu'ils iraient se promener. Il remplissait visiblement, au moment de la disparition d'Émile, son coffre. Le temps de se retourner et l'enfant n'était plus là. Les battues ont commencé très rapidement. Tout d'abord en famille, puisque les 45 premières minutes avant que la police ne soit avertie de la disparition de l'enfant, la famille a commencé elle-même à faire des recherches autour du domicile. On sait qu'un des voisins rapportera avoir entendu des cris dehors et s'être rendu compte que la famille d'Émile recherchait l'enfant. Ils sont allés certainement vers la cabane et ne l'ont pas découvert. Ils ont fait le tour des lieux les plus proches, là où ils pensaient qu'Émile pourrait être, et toujours rien, ce qui les a bien entendu incités à prévenir les forces de l'ordre. Débattus sur place, et énormément de moyens ont été débloqués afin d'essayer de retrouver Émile le plus vite possible. En effet, la zone est escarpée et elle est très dangereuse pour un enfant si jeune à pied. La cabane, comme vous le voyez, n'est pas très loin de la maison des grands-parents d'Émile et semble sur cette photo être au milieu des bois. La zone a donc été ratissée par les chercheurs et puis aussi par les forces de l'ordre qui, sur place, avaient mis en moyen des hélicoptères à caméra thermique et de nombreuses patrouilles. Ici, vous voyez la fontaine ou le lavoir en fonction, là où l'enfant aurait beaucoup aimé jouer la veille ou les jours dans lesquels il serait venu préalablement dans cette maison. On en parle en tout cas et il semblerait qu'il s'y soit rendu en famille avant qu'il ne disparaisse. Ce lavoir est en contrebas. Vous voyez la rue qui descend, provient de chez les grands-parents d'Émile. Aucune trace, malgré tous les moyens, malgré les différentes recherches ADN, les prélèvements. Actuellement, nous n'avons aucune nouvelle, en tout cas, concernant cette disparition ou une évolution éventuelle de l'enquête tendant vers une piste ou l'autre. La police a fait plusieurs prélèvements, notamment au niveau informatique, et on sait qu'il y a eu plusieurs perquisitions en cours. Nous savons également qu'il y a eu plusieurs témoins. Dans un premier temps, le grand-père d'Émile est la dernière personne à l'avoir vu physiquement et son témoignage indiquera qu'il remplissait son coffre de bois et que le temps d'un instant, en se retournant, le petit, qui était pourtant à quelques mètres de lui, avait disparu. La grand-mère, cette ancienne institutrice, qui dira avoir préparé l'enfant avant qu'il ne disparaisse. Mais surtout deux témoins. Ces témoins-là ont été effectivement
bien entendu dans cette affaire. Le témoin A, par exemple, est un jeune homme de 16 ans. Il dit qu'il a vu Émile monter la route en direction de la cabane. Ce jeune homme est un jeune homme qui vit non loin des grands-parents d'Émile. Et le témoin B est un homme plus âgé qui dit avoir vu Émile pendant qu'il faisait des travaux devant chez lui et que l'enfant aurait descendu la route, donc en direction de la fontaine. Il y a également les oncles et tantes qui sont témoins et qui l'ont vu au réveil de sa sieste, qui ont passé du temps avec Émile et qui ont joué, discuté avec lui pendant plusieurs heures, la matinée et peut-être même après la sieste de l'enfant. Ceux-ci auront été interrogés. Il reste encore les éléments qui peuvent paraître suspects dans cette affaire. À 14 km du Auvernais, au lieu-dit le Boulard, la maison de famille des arrière-grands-parents d'Émile est incendiée volontairement en 2019. Des images ont été prises pour l'ensemble de la presse de ce département et on peut y voir la maison qui est totalement ravagée par un incendie de haute ampleur. La police fera des découvertes et s'apercevra que l'incendie est volontaire, des dispositifs ayant été mis en place afin que le feu se propage plus vite dans cette maison. Y aurait-il un lien entre une ancienne querelle de l'arrière-grand-mère d'Émile avec l'enlèvement actuel de ce petit enfant? Cette piste semble avoir été abordée mais vite écartée par les forces de l'ordre. D'ailleurs, plusieurs personnes pensent que cela ne peut pas être lié de par l'ancienneté des faits. À ce jour, personne n'a été arrêté et personne ne sait qui a voulu incendier cette maison. Forcément, avec la disparition d'Émile, ces éléments sont remontés à la surface. À quelques kilomètres du Auvernais, un certain R intéresse beaucoup les enquêteurs. Qui est ce R? Eh bien, R est décrit comme un jeune agriculteur qui travaille régulièrement dans la commune du Auvernais et qui est âgé de 16-17 ans. Il est réputé pour avoir une conduite rapide de ses différents engins. En effet, il possède donc le droit de conduire un tracteur, mais est également propriétaire d'autres véhicules qui n'ont pas forcément été abordés dans l'enquête au départ. Il faisait les foins au moment de la disparition d'Émile, et cela a intrigué les enquêteurs, se disant potentiellement qu'il aurait pu y avoir un accident et que le petit ait été caché. Ce qui me pose question personnellement, c'est que ce jeune homme possède également un quad et que là aussi, les habitants du Auvernais se plaignent de sa façon de conduire qui semble dangereuse. Il possède également une motocross. Ce jeune homme jeune a donc, semble-t-il, des moyens financiers lui permettant d'acquérir ce genre de véhicule et surtout de conduire sans aucune précaution. Il est connu à son village du Vernet qui s'appelle La Roussimale. C'est un lieu dit. Et sa maison a été perquisitionnée. Pourquoi? Eh bien parce que ce jeune homme avait été dénoncé par plusieurs habitants du Haut-Vernet comme étant potentiellement quelqu'un qui pouvait avoir, sans le vouloir, commis un accident de par sa conduite à vive allure
Ce qui a conduit les enquêteurs à devoir perquisitionner son domicile afin de voir si techniquement il aurait pu éventuellement y cacher quelque chose en lien avec Émile. En tout cas, c'est ce qui nous a été expliqué dans un premier temps, et ceci sera à compléter d'autres informations. Car en effet, plusieurs autres domiciles ont été perquisitionnés. Mais j'ai quelques questions qui me taraudent particulièrement par rapport à cet épisode-là. En effet, le jeune homme de 16 ans qui avait donné une version des faits et qui avait prétendu avoir vu Émile, eh bien, va changer sa version. Le 22 septembre 2023, il prétendra que il s'est trompé et qu'Émile, eh bien, descendait la route. Apprenant cette erreur, les inspecteurs ont pu orienter leur piste vers celle qui leur semblait la plus crédible, à savoir le bas du village, vers le lavoir fontaine, là où les chiens avaient repéré la présence du petit garçon. L'élément intéressant dans cette affaire est d'apprendre que le témoin A et que R, le conducteur d'engin, sont cousins. Si l'on considère que R a intéressé de près la police, est-ce que ce changement de version pourrait être en lien? D'autant que les inspecteurs ont relevé des échanges entre les cousins le jour de la disparition du petit garçon et le lendemain. Ces événements sont troublants. Évidemment, cela ne fait pas d'eux des coupables, mais éventuellement seulement des suspects potentiels. Aujourd'hui, personne n'a été inquiété dans la disparition d'Émile et officiellement aucun suspect n'est véritablement aujourd'hui envisagé par les forces de l'ordre. Si vous avez quelque information que ce soit, n'hésitez pas à contacter le 04 92 36 73 00. La famille d'Émile, comme vous l'avez entendu, a besoin de connaître la vérité, quelle qu'elle soit, et de pouvoir offrir à leur enfant un enterrement décent si tel était le cas. Si des personnes entendent ce message, vous pouvez toujours, de manière anonyme, contacter les forces de l'ordre afin de pouvoir apaiser votre conscience et apporter la paix pour cette famille, d'autant plus dans cette période de fête. Merci à vous.